Oh là là, les solides! Va falloir vous trier. Bon, alors, les petits devant, les grands derrière. Eh, doucement, tous les solides ne sont pas aussi solides que toi. Voilà, c'est mieux. Ah, mais vous êtes encore tout mélangé, là. Ça ne va pas du tout. Bon, les prismes d'un côté, les pyramides de l'autre. Je vois, vous ne savez pas. Qui parmi vous est une pyramide? Pas du tout. Par contre, tu es un très joli petit prisme. Regarde, tu as des arêtes, des faces rectangulaires et deux faces superposables. Bravo, tu es magnifique. Et il y a des prismes de toutes les formes. Alors que la pyramide, elle, est très différente. Tiens, toi, par exemple. Oui, toi, celle qui ressemble à une pyramide égyptienne. Toi aussi, tu as des arêtes, des sommets. Une face qui peut être de la forme de n'importe quel polygone. Et toutes les autres faces sont des triangles. Facile, non? Prismes et pyramides peuvent être dessinés ou mis à plat. En résumé, un prisme a deux faces qui sont des polygones superposables. Toutes ces autres faces sont des rectangles. Alors qu'une pyramide a une face qui est un polygone. Toutes ces autres faces sont des triangles. Alors les solides, vous avez compris? Les pyramides d'un côté et les prismes de l'autre maintenant. C'est bien, bravo! Vous êtes formidable. Et toi, tu ne sais pas où te ranger? Regarde, tu as deux bases superposables et toutes tes autres faces sont des rectangles. Donc, tu es un prisme. Ah là là, les solides! C'est du costaud!